La suspension des discussions sur les visas avec la Russie, c'est l'une des décisions prises par le sommet extraordinaire de Bruxelles ce jeudi soir. Et une annonce également, l'Union va signer son accord d'association avec l'Ukraine avant les élections du 25 mai. Nous avons décidé aujourd'hui de mettre en place des mesures, y compris celles envisagées par le Conseil des ministres européens des Affaires étrangères lundi, notamment la suspension des discussions bilatérales avec la Fédération de Russie au sujet des visas ainsi qu'au sujet d'un nouvel accord. Nous soutenons la décision des pays membres européens du G8 et des institutions européennes de suspendre leur participation aux préparations du sommet du G8 jusqu'à nouvel ordre. David Cameron a pour sa part déclaré que des gels d'avoir et des restrictions sur les voyages pourraient être décidés à l'encontre de la Russie s'il n'y avait pas de progrès dans les négociations entre Moscou et l'Ukraine.